Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un TP sur le câble coaxial, mais discret. Donc, le câble coaxial discret est constitué de plusieurs cellules. Donc, ici, j'en ai 10. Donc, chaque cellule comporte un condensateur en serré avec une bobine. Et on a des interrupteurs entre les cellules. Donc, on peut choisir le nombre de cellules qu'on veut. Donc, par exemple, ici, lorsque donc là par exemple cet interrupteur il est éteint, donc ça veut dire qu'on n'a choisi que ceux deux. Et donc lorsque je l'allume, ça veut dire qu'on a pris la totalité. Donc là par exemple on a pris la, la totalité, puisque euh, toutes les, euh, tous les interrupteurs sont fermés. Alors ce qu'on peut faire avec euh, ce TP, la première chose, c'est euh, donc on va essayer d'envoyer une onde sinusoïdale Grâce au GBF et on va voir les modes propres de ce système. Donc pour cela on va euh, court-circuiter la dixième position et on va essayer d'ouvrir l'interrupteur à cette position là. Voilà pour prendre en fait que que les positions que les positions euh, euh, donc de 1, de 0 à 9. Voilà. Euh, entre le GBF et l'entrée 0, donc ici on a une entrée ouverte. Donc entre le GBF et l'entrée 0, on va mettre une résistance de 100 kOhm. Donc la résistance 100 kOhm il sert à, en fait, à découpler le GBF parce que la sortie du GBF il est à 50 ohm. Et donc, on ne veut pas que le signal fourni par le GBF soit déformé. À l'aide d'un oscilloscope, donc on va visualiser la tension fournie par le GBF, donc le signal jaune. Et à la sortie, donc à l'entrée zéro, euh, on va voir le signal. C'est-à-dire, après la résistance de 100 kΩ, on va voir le signal en deux. Le signal, euh, donc l'onde... Réfléchi, Ou plutôt l'onde stationnaire, je veux dire, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas d'onde réfléchie, pardon. Ici, on a court-circuité euh, la disimposition, donc ça veut dire qu'on a un nœud de tension et donc on a une corde fixe. Donc, ça, voilà. donc on a fixé l'onde à ses extrémités, donc on va avoir juste une onde stationnaire. Donc le signal vert, c'est euh, euh, l'onde l'entrée de notre système. Alors on va essayer d'exciter le système en changeant la fréquence fournie par le GBF pour trouver les modes propres, donc les fréquences de résonance de ce système qui est composé de 10 positions. Pour cela on va changer tout simplement la fréquence. Et donc là on voit par exemple ici, donc à cette position on a... Donc à cette position on a une résonance. Mais puisque en fait le, le système il est, composé, il est composé de 10 positions, donc de n est égal à 0 jusqu'à 10, ben, ça veut dire que normalement on doit trouver 10 fréquences propres, donc 10 modes. Donc pour cela on va <coughs> donc on va supposer que ça c'est le premier mode. Là on a le deuxième mode, troisième mode, quatrième mode, et ainsi de suite. Alors maintenant, lorsqu'on ferme l'interrupteur à cette position, donc ça veut dire qu'on a déconnecté ce qui est à droite de, de ce qui est à gauche, donc ça veut dire que le, le système maintenant, il a une longueur de 3. Donc 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'on va obtenir trois modes propres. Donc ça, c'est... Euh, on va essayer de le refaire depuis le début. Donc là, 1, donc 1 mode propre. Là, on s'est éloigné. Donc ça, c'est 1. Je vais désactiver le signal. Donc ça, c'est 1. Un. Voilà. Une fréquence de résonance. Je vais chercher la deuxième parce que normalement là on est à la troisième position donc on doit avoir trois modes propres. Ok donc ça c'est le premier mode propre. Voilà. J'augmente encore. Le deuxième mode propre. Et le troisième mode propre. Et après, donc plus rien. Donc ça veut dire qu'au-delà que, de trois modes propres, donc le système ne répond plus à, à, la, à la fréquence du GPF. Alors maintenant, on va essayer de visualiser en fait, les fréquences propres en utilisant une méthode euh, plus originelle. Donc on va utiliser la vobulation. Donc on va utiliser la vobulation et on va balayer la fréquence de 500 Hz. Jusqu'à euh, 70 kHz. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette plage Parce que pour le énième, donc pour la dixième position, on a 10 modes propres et le, le et F10, donc le dixième mode propre qui correspond au plus grand mode propre de, de, du système, il est aux alentours de 50-60 kHz. Voilà. Donc on va euh, tracer en mode XY pour voir... Euh, voilà. On va changer le temps à une seconde et la persistance. On va activer la persistance. Voilà. On va prendre une persistance variable. là je vais changer voilà ça c'est mieux donc là on a dit qu'on est à la 1 2 3 donc à la troisième position et on a effectivement non, en, fait, en fait, cette fréquence, ce n'est pas une fréquence de résonance parce que normalement, le LC, c'est un filtre passe-bas. Donc, ça veut dire que euh, ici, ça correspond juste à mon signal euh, qui, euh, qui n'est pas été euh, rejeté par le filtre. Donc, il faut regarder à, après, euh, après ça. Donc, ici, on a 1, 2, 3 pics. Donc, ça correspond à 3 mois de propre Donc, pour, pour enlever ce, ce, ce signal de départ... Je vais juste augmenter la fréquence de départ de la vobulation. Donc, je vais la prendre à, on va dire, 1,2 kHz. Et voilà. Donc, ici, on a. Donc, on a 1, 2, 3. Bien sûr, on a une décroissance. Alors, maintenant, on va changer. On va se mettre à 6. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir. Six modes propres. Et euh, donc on va mettre pause pour voir. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on n'a pas le, le... Si on a le sixième, il est là. Donc il est entre le 5 cinquième et le sixième. Et on peut augmenter donc la sensibilité horizontale pour faire apparaître le sixième mode. Ici, normalement, on peut le voir donc, 1, 2, 3, 4, 5, et le 6, il est juste là. Voilà, donc on a six modes. On va passer à 10. Donc là, je ferme tous les interrupteurs et voilà notre courbe. Donc, on va essayer de compter les modes. Donc, on a 1, 2, je vais, je vais essayer de prendre une persistance à l'infini. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors le 8, 9, 10, ben on ne le voit pas, c'est normal. Parce que... Parce que là on s'approche de... Alors on va essayer de, de, de changer la fréquence de balayage pour voir les... Peut-être on va prendre... Euh, je vais augmenter juste la sensibilité horizontale. Voilà. Et on va prendre une persistance à l'infini. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 modes propres. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire comme mesure, donc on peut mesurer la fréquence de résonance pour chaque mode, parce qu'en fait, au total, on a 55 fréquences. Donc pour le mode 1, on a une seule fréquence de résonance. Pour le deuxième mode, on a deux fréquences de résonance, donc 3. Pour le quatrième mode, on a 4 fréquences de résonance, donc 1 plus. 2 plus 4, donc ça fait 7, et ainsi de suite jusqu'à 10. Donc au total, ça fait 55 fréquences. Donc on va fixer le, 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 le mode. Donc par exemple, pour n est égal à 1, on va chercher la fréquence propre et on va tracer euh, donc la fréquence des résonances en fonction de k. Alors pour trouver k, la, le nombre d'ondes, on va d'abord chercher la relation de dispersion. Alors ici, j'ai un système fini. Donc on va supposer qu'il y a une onde sinusoïdale qui se propage, donc c'est une onde de, de, de tension qui est de la forme U est égale à U exponentielle I oméga T moins KPA. Avec P, c'est le, 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 le mode en fait. Et lorsqu'on cherche la relation de dispersion, on va trouver en fait que le nombre d'ondes K et K plus modulo. Euh, 2π sur A, avec A en fait c'est la distance donc, entre deux cellules, donc on l'a mesure avec une lettre d'une règle, c'est 19 mm, ben, en fait on trouve que euh, le, mode K, le nombre d'ondes K est K plus N de pi sur A, ça donne exactement la, la même euh, onde harmonique. Donc il suffit donc de considérer que des valeurs qui sont comprises entre moins π sur A et pi sur A. Et donc on aboutit euh, à la relation de dispersion oméga est égale à 2 oméga 0 sinus KA sur 2. Bien sûr, il y a la valeur absolue sur le sinus. Avec oméga 0, c'est la fréquence propre de mon système qui correspond à 1 sur racine de LC parce que ici, la cellule répétitive, c'est euh, le circuit LC. Donc avec euh, cette relation de dispersion, on peut... Euh, remonter à la valeur de k et on trouve que k en fait est égal à est égal à, 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 donc à pi sur a donc k parce qu'en fait k indice n donc kn est égal à 2 pi sur lambda n et euh, lorsqu'on remplace lambda n donc on trouve que kn est égal à n moins 1 demi pi sur grand n a donc c'est-à-dire qu'on peut tracer la fréquence de résonance en fonction de K. Donc, par exemple, pour L n est égal à 1, la fréquence de résonance, pour la chercher, ben, en fait, on va balayer... Donc on va mettre le mode 1 d'abord. Voilà. Donc là, c'est le mode 1. Et on va chercher la fréquence de résonance. Donc on va augmenter la fréquence. La valeur théorique, c'était aux alentours de 40 kHz. Donc, on peut augmenter directement à 40. Alors, je les dépasse. Voilà. Donc, ça, c'est la fréquence de résonance. Voilà. Donc, on a l'amplitude euh, qui augmente. Donc, on a une fréquence de résonance qui vaut euh, à peu près 46 kHz. Donc, 46,3 kHz. Donc, ça, c'est pour le mode 1. Donc, on trace. Euh, f en fonction de k pour le mode 1 et donc k c'est k1 ça sera 1 moins 1 demi fois pi sur a donc on va avoir un point dans ce plan ensuite on va passer au mode 2 on va avoir deux fréquences de résonance on fait la même chose on passe au mode suivant et ainsi de suite jusqu'à 10 et donc on obtient la courbe suivante donc, moi j'ai fait les mesures en utilisant le Python, et donc on a trouvé que pour le mode 9, donc on a une courbe qui correspond à l'expression prévue par la théorie, donc sinus Ka sur 2. Donc, ici on a une portion de sinus entre 0 et π sur a. Et symétriquement, donc on va avoir une courbe qui, qui est comme ça de l'autre côté.